Lundi 15 octobre 2018, bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la cave capable pour première sortie téléjournal là pour semaine si là. Mais principal point cap pour faire essentiel journal là pour matin. Président de la République, la Jovenel Moïse a visité plusieurs commissariats dans la zone métropolitaine vendredi 12 octobre passé. Viron ça a concerné commissariat Pétionville, petit commissariat Tabac, Kouadebouquet et Delma 33. Plusieurs avocats dans Barreau Port-au-Prince, même conseil Barreau Port-au-Prince, rencontré pendant journée vendredi, directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, sous dossier agression physique qui t'a fait sous plusieurs avocats Barreau. Et puis à l'échelle internationale, nous prenons tout d'abord dans le pays Brésil pour nous faire connaître la tension pacifiquement augmentée dans le pays Brésil une semaine avant et réalisation de la deuxième tour élection présidentielle. Pendant le week-end, partisans et sympathisants, tous deux candidats ont pris la rue. Et puis dans le pays de la France, d'après dernier bilan préfecture dans le pays de la France, 6 personnes ont perdu la vie dans le département Aude qui est placé sous vigilance rouge pour Kounia. Voilà, c'est principal pour ça qu'un pilote qui a fait essentiel journal là pour matin lundi 15 octobre là. N'a pas invité à rester branché, n'a pas tourné pour développement information ça va qu'un pilote encore. Merci parce que toujours été branché radio et télévision nationale d'Haïti. N'a pas souhaité tout le monde bienvenue dans le développement information. Les gens qui ont annoncé l'ensemble grand titre n'a pas démarré pour une fois qu'on est président de la République, la Jovenel Moïse, a visité plusieurs commissariats dans la zone métropolitaine Port-au-Prince vendredi 12 octobre passé. Viron sa fête dans le commissariat Pétionville, Tabac, commissariat Kouadebouquet et commissariat Delma 33. C'est l'occasion pour le chef l'État a renouvelé volonté liée pour accompagner l'institution policière dans le cadre de la mission. Nous avons plutôt suivi un reportage qui peut être signature Sabine Jaïtienne. C'est une visite pour informer sur les conditions de travail policiers et puis encourager pour service à la population chaque jour. Dans le commissariat Pétionville, Tabac, Kouadebouquet et Delma 33, chef l'État a dialogué pendant un bon bout de temps avec agent côté li parler de vision administration langue pour institution la police là. Bon problème. Bon monde là qui va pas résoudre tout ça nous. Mais ça nous dans l'ensemble qui va faire pendant passage li dans commissariat yo, chef l'État a profité par ses instructions pour résoudre quelques problèmes pressés, tant que construction bloc sanitaire dans commissariat Pétionville, plus moyen transport pour policiers yo, plusieurs motos pour rejoindre commissariat yo. C'est toute une série de décisions pour améliorer conditions de travail policiers yo, cap protéger bien ak vie population. Merci avec collaboratrice nous, Sabine Jean-Étienne Napper. Pour suivre avec information pour nous faire connaître directeur administration pénitentiaire Charles Nazir Noël visité vendredi 12 octobre passé à prison Port-de-Paix l'idée pour évaluer dommages prison en prendre au tremblement de 6 octobre passé à. Directeur qui était accompagné avec divers ingénieurs administration pénitentiaire expliquait les décisions qui déjà prises pour retirer prisonniers au météo à travers l'autre prison dans le pays. Nous avons invité à suivre un extrait dans l'intervention du directeur administration pénitentiaire. Urgence parce que il y a plusieurs cellules qui sont responsables de prison à faire visiter. Réellement, moi j'ai une fissure. Moi détenu antigen paniqué. Oui. Moi ouais, j'ai un côté à pas de fissure, bloc presque tombé. En un mot, j'ai une urgence. Donc nous venons, gap les dispositions qui est en cours. Bon, par exemple, disposition qui est en cours, c'est que et nous pouvons retirer en pile dans le détenu qui est là au bord de paix. Pour nous transférer dans la prison, l'autre prison dans le pays. Mais monsieur, nous connaissons un bail qui est sensible. Je ne vais pas donner plus de détails, mais il y a une disposition qui est en cours. Les gens qui condamnent, nous avons penché sur le cas d'abord. Nous avons retiré là d'abord pour nous éparpiller dans certaines autres prisons et dans le pays. Les gens qui ne sont pas condamnés, vous connaissez ça et pas seulement la police, vous connaissez la justice. Doué pour finir avec eux. Après ça, pour nous connaître ça avec eux. Mais il faut me dire en passant que
Je crois que, d'après ça, je parlé avec Yonam, même justice ici, je crois que y a une urgence, une diligence qui a fait pour que vous essayiez d'attendre, en pile, vous n'avez pas attendu, pour que vous gardiez qui, les gens qui n'ont pas un gros cas, qui sont dans le bail mineur, si vous avez libéré, vous libérez, ça va vous aider à nous dégager, de gérer la situation. Immédiatement, premier bail, nous allons pencher sur lui, c'est retirer premièrement condamné. J'aime dire là pour nous. Nombre de combien? 133. Ok. Pour nous mettre dans d'autres prisons. Donc c'est le premier bail, n'a pas le fait. L'autre bail, n'a pas le fait encore, c'est évaluer tout détail technique, yo, réparation, etc. Parce que j'aime dire là, prison fissurée vraiment, gain urgence. Donc c'est eux-mêmes qui ont pas soumettre mon rapport. Et puis à partir de là, pour soumettre moi, nous-mêmes, nous avons parlé avec supérieur hiérarchique, direct, le directeur central de l'administration, ensuite directeur général, et puis pour nous avancer. L'autre information dans le journal, la population marchand Dessaline a applaudi le travail construction centrale électrique solaire et thermique là, qui arrivait dans la dernière phase. La centrale ça a une capacité 1,9 MW pour permettre à marchand de courant comme ça doit. Jean-Président Jovenel Moïse te promet si là quelques habitants à parler dans le micro Saline Joëtienne. Pour travailler là parce que nous bien contents parce que nous avons plusieurs années là nous pas jamais gain courant. Tout l'autre côté gain courant nous pas jamais gain courant qu'on y a nous et a fait un bel travail et nous contents travail là. Est-ce que qu'on rentre à regarder déjà comment y a pas aménagé site là? Oui, on rentre, moi y a fait bon travail. Et comment nous t'es fait pour nous fonctionner pendant nous pas gain courant? Pour nous fonctionner, c'est comme si téléphone, nous besoin charger, c'est payé, nous payons 15 gouttes, nous charger. Après ça, nous étions comme ça, nous utilisons gaz, lampe. C'est un travail très félicité. Je dis, président Jovenel, merci. Merci un peu parce que il y a longtemps, mon marché a souffert pour courant. C'est un travail que tout le monde marche acquis. Parce que c'est un bagage. Capitule tout le monde marche. Président, moi-même, moi, c'est mon marche. Moi, salue. Eh bien, nous bien contents pour le travail que vous commencez à faire dans le marchand de Saline. Nous avons date depuis que nous n'avons pas de courant dans le marchand de Saline. Mais nous, nous faisons un effort là, nous mettons travail pour courant dans le marchand de Saline. Mais nous disons merci pour ça. Dès qu'on a travaillé sur moto, tant qu'on l'a levé dans 4h du matin, mal travaillé, c'est fait noir. C'est lui-même qui a éclairé avec les gens qui ont fait manger. C'est les flashs qui ont acheté et éclairé. C'est un bel travail qu'on a fait parce que nous avons pris le temps depuis que nous n'avons pas de courant dans le marchand. Et le peuple a souffert en plus de tout parce qu'il y a plus de monde qui a un frigidaire. Ça a fini de gâter. Et c'est qu'on a fait une réparation à cause du temps de pas de courant. Nous avons plus de 9 ans parce que nous n'avons pas de courant. Le peuple marchand a souffert en pile pour le travail ça qu'a fait là. Parce que son groupe pièce important courant et pour nous-mêmes dans le marchand de Saline. Nous avons toujours été dans sa équipe avec le dossier électricité pour nous faire connaître le travail de réhabilitation de centrale électrique d'Ouyenne en commune Verrette. A pratiquement lancé pour qu'il y ait un technicien ou déjà aménagé un nouveau espace pour capable recevoir le matériel technique tout neuf capable venir pour capable remplacer ça qui était en panneau. Directeur général de l'autorité nationale pour égalisation secteur énergétique là, ingénieur Invention Calix a fait état des lieux. Pour nous, on a pas envie de suivre ce avec Sabine Jean-Étienne. Processus pour mettre courant électrique, la caille tout le monde dans le pays a avancé à grands pas. Ici, là, nous dans la commune Verrette, dans le département de la Tibonite, côté technicien a travaillé pour réparer entièrement la centrale hydroélectrique d'Ouéa qui permet aux zones bénéficiaires de recevoir environ 3,2 MW courant. Evenson Calix, directeur général, autorité nationale pour régulariser le secteur énergétique là, explique différents travaux qu'a fait yo. Et yo te déjà démantelé tout tubinio, retiré alternateur, retiré régulateur de vitesse yo, et là yo pral procéder à réparation complète centrale là et ça n'a dit tout le monde c'est que après réparation ça on va gagner 3,2 MW
hydroélectrique qui va être disponible, effectivement, centrale ça, centrale qui était toujours à gérer et par EDH. Et ça qui est intéressant pour tout le monde à comprendre, l'organe central hydraulique qui a fonctionné, et débit de l'eau disponible, parce que son centrale au fil de l'eau, contrairement à Pélig, quand on stocke de l'eau, il faut conduite forcée, pour douette, ou t'as regardé l'image là, ou pas gain ça, donc c'est son centrale au fil de l'eau, de l'eau arrivée, ou gain ça, ou des chambres de charge qui permettent automatiquement et actionner van qui pourra permettre d'alimenter et turbine hydroélectrique. Donc le travail est démarré déjà, donc on est capable de voir avec toute image, on voit tout au côté là, tout trou regarder là, c'est trou côté et turbine étayé, donc on démantèle pour le remplacer par turbine tout neuf. Et après ça, information que le peuple a doué qu'on a, c'est que vous pourrez gagner 3,2 MW qui pourrez être disponible, qui pourrez être injecté sous réseau et la Tibonite. Il y a 3 turbines qui étaient en panne, qui cause centrale hydroélectrique d'Ouéa pas de fonctionner. Mais après visite, président Jovenel Moïse sous site ça, commande tout équipement électrique qui a été fait immédiatement. Dans site ça, il y a plus utilisé de l'eau avec soleil là. Il y a un système qui coûte moins cher et qui permet différentes sociaux by service, une après l'autre. Et ça, pour nous comprendre, en fait, c'est que la réhabilitation centrale va permettre une disponibilité, si l'eau est disponible, une disponibilité 24 sur 24. Et ça qui est intéressant, tout l'autre, chaque fois qu'on centrale hydroélectrique, c'est que j'en ai essayé d'avancer avec l'énergie solaire là. Le combiné solaire avec hydro, les bons bagages qui sont intéressants. Pour ça, parce que comme l'eau est toujours disponible 24 sur 24, et le soleil lui-même n'est pas toujours disponible 24 sur 24, l'eau marie tous les deux, il peut être souvent pile demain de la journée, pour faire avec le soleil là et de l'eau, et puis le soir, il peut être moins de batterie, parce que batterie stocker l'énergie dans la batterie coûte extrêmement en pile l'argent, et il peut être une bonne situation optimale. Ça fait nous dire que nous-mêmes, c'est extrêmement intéressant pour nous pour réparer douette, parce que douette, bon, 3,2 MW le soir, il peut être d'eau après 10 heures, il y a moins de stockage, et puis. Ça veut dire centrale hydroélectrique, là, avec une vaste batterie de stockage. Nous sommes capables de dire qu'on a un niveau technique qui va permettre nous stabiliser le réseau dans la zone Gonaïve. Mais ça qui est pour clair pour tout le monde, nous ne pas jamais dit que centrale 3,2 MW là, pour permettre d'alimenter tout le réseau à Tibonite. Et bien, ça lié. Nous dit que centrale 3,2 MW là, comme centrale hydroélectrique, et l'on mette durée de vie à sous 40 ans, 30 ans. Les centrales qui ont coût de production extrêmement bon marché, puis bon marché pour diesel, et nous disons que le pays a intérêt à utiliser toutes les ressources que le gain disponible. Nous connaissons un potentiel extraordinaire en matière solaire, et nous avons un potentiel qui existait tout en matière hydro, et nous disons que la politique énergétique et le gouvernement, c'est de rassurer la diversité de la matrice énergétique. Côté gain soleil, il utilise le soleil, côté gain de l'eau, il utilise de l'eau, et il mixe par côté gain biomasse, il utilise biomasse, côté gain éolien, il utilise éolien, et là, c'est un bel exemple hydro. Et nous avons un travail en fait pour nous garder, est-ce que nous avons tout 2-3 sites qui sont près de côté carbone central solaire, pour nous injecter sous système pour tout le monde marcher ensemble. Accès à courant électrique, c'est un gros facteur de développement en pays. C'est un aspect qui est lié à sécurité, santé, commerce, pour ne citer ça ou seulement. D'après ingénieur Evanson Calix, d'ici novembre 2019, centrale hydroélectrique d'Ouéa a flambant neuf. Notre information dans le journal là, député circonscription pilote la Roms Perilus exprime satisfaction pour démarche l'exécutif là. Comment c'est fait pour capable supporter les victimes tremblement de terre 6 octobre passé à parlementaire fait connaître après rencontre avec le président de la République là, premier ministre là, déjà une équipe technique qui pral évaluer kaye qui victime pour garder nan qui mesure capable ça qui crase yo capable réparer. N'a pas vite suivre ensemble avec Fedner Confida. Nous-mêmes, nous prenons Josia pour nous informer la communauté pilatoise là, que nous rencontrons ensemble avec le président de la République, nous partageons ensemble avec lui toute information. Nous rencontrons ensemble avec le chef gouvernement, nous partageons ensemble avec lui toute information. Donc, tout le monde au plus haut niveau dans l'État est bien imbu de qui dégâts et bien cyclone et tremblement de terre, excuse-moi, il fait dans la commune Pilate. Donc je dis à Takou Notedil, nous-mêmes, nous avons droit à prendre présence nous dans la commune, là, mais certainement, la commune, il y a un kazek, il y a un magistrat, il y a un délégué, il y a toute l'autre autorité locale, yo, donc qui est là pour accompagner nous. Donc moi-même, c'est deux voies PAM pour me chercher, rencontrer avec toute l'autre autorité yo, pour nous concentrer, force nous, pour nous dire, mais qui ça n'a fait.
Donc je dis en mesure pour m'annoncer et dirigeant et l'école pour nous dire que il y a des marches qui ont fait pour matériel lourd rentrer dans la commune pour incapable dit écraser l'école qui écrase pour nous capable pas vraiment trouver moi parce que pas là avec ministre PTCA il y a effectivement une équipe technique qui est déjà partie pour Nord-Ouest et c'est ce même équipe là qui gagne pour passer Goumon et qui a passé Pilate. Donc là au passé il y a évalué tout bâtiment yo. Donc là il y a évalué l'église qui fissurée yo, il y a évalué l'école qui est endommagée mais qui campé yo puis regarder qui ça qui capable réparer mais qui est dans retour qui mérite à ce que yo craser yo. Et c'est ça que fait nous fait des marches pour que eh bien et ministre PTCA il voyait à l'épilate de matériel lourd avec une équipe technique sur place. Dossier justice pour Kounia, dans le cadre de dossier agression physique qui fait sous plusieurs avocats dans le barreau Port-au-Prince, même conseiller barreau Port-au-Prince, a rencontré vendredi 12 octobre passé avec le directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon. DGPNH là fait qu'on a inspection générale déjà l'ouvre une enquête pour fixer responsabilité. On a invité à suivre. Moi, je suis là pour mon conférence. Et Orlando, confiance des chefs de police, donc tout de suite que nous informer de questions. Hein. Et d'abord, il y a une note que PNH fait sortir de hier sur question. Pour les bailles position par rapport à ça passé. Hein. Mais nous estimons opportun tout par rapport à bonne entente et harmonie qui doit exister entre toute institution dans le pays, hein, notamment la police et Baou. Et de l'ordre des avocats, le parquet, la justice dans son ensemble, fait que nous devons rendre une petite visite de courtoisie à Baoua matin pour nous discuter de plusieurs sujets, dont les derniers incidents qui rapportaient au niveau de la presse. Et j'en dis là, et la police, avocat, nous pratiquons dans la même chambre. Donc nous condamnons pour nous travailler ensemble et il ne faut surtout pas que un incident vienne gâter la bonne harmonie qui gagne entre les institutions. Donc c'est ça qui explique la présence ce matin. Et la police dans le niveau PAL, et j'en ai dit dans la graduation 29e promotion, c'est une institution en un pays qui est très solide. L'inspection générale a mené enquête sur tout le dossier, notamment sur les incidents. Fixer responsabilité et prendre les décisions qui s'imposent. Toujours dans le même dossier, il y a un conseiller Barreau Port-au-Prince qui a participé dans la rencontre. Il a montré la nécessité qui a gagné pour une rencontre entre deux institutions. M. Montferrier Dorval dit qu'il dit rencontre est bien déroulée dans le barreau. Il a demandé avocat pour arrêter patient pour un résultat enquête IGPNH. DGPNH, on n'a pas envie de suivre. Qui ça a fait? Pour l'instant, DG arrêté son belle réunion faite. Nous pas écarté aucune décision. Par exemple, il n'a pas dit que qui ça l'a fait pour l'instant. Il n'a pas dit qui ça l'a pas fait. La peine ou enquête. Et nous-mêmes, tous, nous sommes juristes. Les enquêtes à fait, nous avons qu'il a fini. Nous demandons en urgence dans l'enquête là. On dit les cap expiré lundi. À partir de lundi. Donc ça c'est lundi à minuit. Donc à partir de mardi, le conseil va se réunir et puis après qui décision qu'a prendre. Mais pour l'instant qu'on y a, nous pas réunir encore sur question ça encore et nous souhaitons qu'à pouvoir parler avec avocat pour nous un compte rendu de rencontre avec DG. N'a pas jamais connu un pays la France pour une fois qu'on est d'après dernier bilan préfecture mettez des yeux dans pays la France 6 mois n'a perdu la vie dans le département Oden c'est ça qui l'a gagné qu'on y a une situation difficile côté au placé département cela sous vigilance où je n'ai pas envie de suivre avec Euronews.
En France, la nuit dernière, des pluies orageuses ont violemment frappé et meurtri l'Aude. Selon le dernier bilan de la préfecture, au moins 6 personnes ont été tuées. Depuis, l'Aude a été placée en vigilance rouge. L'eau a dépassé les 5 mètres à Carcassonne, plus de 7 mètres à Trèbes, dans la vallée de l'Aude, un niveau inégalé depuis 1891, et la crue pourrait atteindre 10 mètres en milieu de journée. La préfecture de l'Aude a également fait savoir sur Twitter que plusieurs communes ont été évacuées de façon préventive, dont Pézinche et Coupchac. Au nord de Carcassonne, toutes les routes sont coupées. Selon les autorités, dans cette zone, les écoles ont été fermées. Le Premier ministre Édouard Philippe doit se rendre sur place dans l'après-midi. Selon le ministère de l'Intérieur, des renforts de sécurité civile sont en cours d'acheminement dans l'Aude, alors que 700 pompiers sont déjà mobilisés. Avec plus de 250 interventions des pompiers dans la nuit, l'Aude a été particulièrement touchée par l'épisode orageux, mais 6 autres départements du Sud sont en vigilance orange depuis hier. L'Aveyron, la Haute-Garonne, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Tarn, auxquels Météo France a ajouté le Tarn et Garonne ce matin. Ces inondations sont déjà les plus meurtrières du pays depuis une dizaine d'années. Voilà, c'est avec les dernières informations que je n'ai arrivé dans le bout de l'épouvantement, mais juste avant nous aller, nous allons rappeler un simple point qui est fait essentiel. Président de la République, la Jovenel Moïse, visité plusieurs commissariats dans la zone métropolitaine Port-au-Prince vendredi 12 octobre passé à Vigré-Gonsaïo, concerné commissariat Pétionville, Tamba, Croix-des-Bouquets et commissariat Delma 33. Plusieurs avocats dans le barreau Port-au-Prince, membres du conseil barreau Port-au-Prince, rencontrés vendredi passé à le directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, sous dossier agression physique qui t'a fait sous plusieurs avocats barreau Port-au-Prince. Et puis à l'échelle internationale, la tension persiste pour augmenter dans le pays Brésil une semaine avant réalisation deuxième tour élection présidentielle. Pendant le week-end, partisans et sympathisants de candidats ont pris la rue. Et puis dans le pays de la France, d'après le dernier bilan préfecture Mété dehors, dans le pays de la France, 6 personnes ont perdu la vie dans le département Aude qui est placé sous vigilance rouge pour Cunha. Voilà, c'est ensemble pour ça qu'un pilote qui fait essentiel le journal pour maintenant. Nous sommes contents avec vous, nous sommes capables de porter pour la première sortie de le journal pour cette semaine-là. D'ores et déjà, nous avons souhaité tout le monde passer une excellente semaine sur la télévision nationale d'Haïti. Mais nous avons vite été branchés chez nous pour suivre la programmation. Bonne journée tout le monde.